I've been feeling kinda cooped up, okay. Like it's a fresh air. And girl, you got the roof out, roof out. You know when the rain's in. And you ain't got a flash when you're taking your picture. You ain't gotta drown, no extra retention. Paparazzi wanna shoot ya. Eh bien, encore du monde cette année. Bienvenue à Pour ces nuits du Rhône. Merci beaucoup de ce moment de plaisir. Même si cette année, sous la houlette de ma Lulu préférée, il a fallu que j'interrompe un petit peu l'accueil que je voulais réserver à chacun personnellement d'entre vous, parce qu'il fallait bien que nous démarrions cette cérémonie de vœux. Notamment parce que certains amis nous font l'amitié d'être là justement et qu'ils viennent de loin et que je ne voudrais pas qu'ils rentrent trop tard, même si je suis convaincu qu'à l'issue de cette cérémonie, en partageant l'envers de l'amitié, ils partiront un petit peu contre leur volonté avec toujours l'envie de rester ici. En premier lieu, saluer bien entendu l'État. Jean-Marc Sénateur s'est excusé, le sous-préfet de l'arrondissement d'Istres n'est pas là, mais il a été représenté par sa directrice de cabinet, Madame Roche. Bienvenue ici à Pour ces nuits du Rhône, je vous demande de l'applaudir. Et l'État est présent, des parlementaires sont là. C'est un honneur pour moi aussi d'accueillir mon amie, Madame Sénatrice, la sénatrice Madame Mireille Jouve, sénatrice des Bouches-du-Rhône. Bienvenue Mireille. Monsieur le député de la 13e circonscription est là aussi. Donc j'ai la lumière dans les yeux, je ne vois pas trop, mais Pierre Dareville, ah là, Pierre, parce qu'il est petit, on ne le voit pas bien. Pierre Dareville est là, merci Pierre d'être à nos côtés ce soir. Alors, c'est un vendredi soir, c'est un moment choisi par de nombreux maires du département pour faire leurs vœux, donc beaucoup d'entre nous se sont excusés de ne pouvoir être présents et d'honorer la cérémonie de vœux d'autres collègues maires, notamment le président du conseil de territoire Istres-Ouest-Provence et maire d'Istres et vice-président de la métropole François Bernardini, qui ce soir est au vœu de mon amie madame la maire de Saint-Mitre et qui est ce soir représenté par un éminent collègue aussi, parce qu'il est premier vice-président du conseil de territoire, mais il est surtout l'indéboulonnable maire de Grance, Yves Vidal. Un phénomène, parce qu'il faut toujours écouter les anciens, que ce soit en politique ou ailleurs. D'ailleurs, merci Yves à chaque fois de l'accompagnement qui est le tien et des conseils qui sont précieux. Il est venu aussi avec Fabienne Gruninger, qui est une élue investie sur le territoire et dans la ville de Grance, que je remercie d'être présent. Notre maire est aussi ce soir avec nous dans la salle. C'est un collègue d'Assemblée, puisque nous siégeons ensemble au bureau exécutif de la métropole Aix-Marseille-Provence, Christophe Amalric, le maire de la Barbaigne. La Barbaigne, pas comme on dit, voilà. Un maire honoraire qui a longtemps conduit les destinées de la belle ville de Fontvieille et qui nous fait tout le temps l'amitié d'être présent depuis le départ au vœu de la ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône, mon ami Guy Frustrier. Merci Guy d'être là à nos côtés. Les maires présents ou maires honoraires présents, je pense avoir fait le tour, mais nombre d'entre eux ont souhaité se faire représenter. Le maire d'Istres, entre autres, par Madame Claudie Mora, qui est venue, que je remercie aussi, on peut l'applaudir. Monsieur Delmas, adjoint au maire de Didier Kelfa, le maire de Saint-Chamas, qui est venu aussi accompagné d'une conseillère municipale, merci. Le maire de Miramas est là, aussi représenté, Martine Arfi. Arfi, c'est ça? Et il y a un autre? Ayala. Ayala, voilà, c'est celui-là qui me manquait, qui est là. Merci Martine. Je fais un tour rapide du regard pour les maires, les conseillers départementaux, la conseillère départementale du canton d'Arles, madame Aurore Raoux, est là ce soir aussi. Merci. Merci beaucoup. Le maire d'Arles, ou pas, ou en tout cas son nom propre, mais lui, il est tout le temps là. Et il nous fait souvent l'amitié de sa présence et sur de nombreux dossiers qui concernent la ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône, au travers de l'implication et qui est dans le CIMADREM, Jean-Luc Masson, adjoint au maire d'Arles, présent dans la salle, que je remercie. L'amitié aussi de la députée de la circonscription à laquelle appartenait la ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône, Monica Michel, qui n'est pas là ce soir, qui m'a transmis ses bons voeux par la voix de son compagnon, M. Brassard, qui est venu aussi ce soir nous témoigner de son amitié. Le protocole, c'est jamais un exercice facile. Vous avez vu,
j'ai pas de fiche. Donc c'est à la fin qu'il faudra lever la main, hein, pour celui ou celle que j'ai oublié. En tout cas, pour les élus, merci beaucoup à toutes celles et ceux qui ont fait le chemin. Il y a d'autres personnes qui sont ici ce soir à nos côtés, et c'est important parce que nous travaillons au quotidien. J'oserais citer les personnes qui s'occupent de la communauté éducative. En premier lieu, Madame Orlando, inspectrice de l'éducation nationale, qui est dans la salle, accompagnée aussi par Monsieur Guillaume Rossi, le principal du collège Robespierre, des directeurs généraux adjoints aussi de la métropole, un qui est important quand même, c'est celui un peu qui gère les ressources humaines, puisque M. Pérez nous fait l'honneur et l'amitié d'être avec nous ce soir. Bien entendu, également le Grand Port, au travers de la présence de Mme Planck, qui ne s'est pas planquée, hein, c'est son vrai nom, qui est assise à côté, je me suis permis, hein, j'ai le droit. Voilà. Et puis, bien entendu aussi, les forces de sécurité, les forces de l'ordre, donc Jean-Éric Lépine, le chef de centre, eh bien, il est en activité ce soir, hein, il a été un petit peu obligé par un accident de dernière minute, mais il est représenté par M. Edmond Deleuil, notre Edmond national, voilà, qui est un membre éminent de la caserne de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Les forces de secours qui sont représentées par le commandant Salio pour l'ensemble de la brigade d'Arles, mais aussi par rapport à l'accroche locale, même si le major Trojani n'est pas là ce soir, il est dignement représenté. Une belle surprise pour moi, puisque j'ai eu l'occasion de rencontrer très récemment le commandant de la base aérienne d'Istres, qui nous fait l'honneur aussi ce soir d'être représenté. J'aimerais donc qu'on ait un moment d'applaudissement pour celles et ceux qui nous protègent et qui nous accompagnent, car c'est important. La Chambre de commerce et d'industrie du pays d'Arles, bien entendu, qui est présente aussi. Et puis ma belle-mère, c'est une surprise. Elle ne devait pas être là, et puis elle est là au dernier moment, on y a trouvé une place. Bienvenue, belle-mère. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, on réglera les comptes après à l'apéritif pour celles et ceux que j'ai oubliés. Merci du fond du cœur d'être présent. Nous voulons à chaque fois vous présenter nos vœux d'une manière la plus innovante, ou en tout cas la plus en phase avec l'actualité. C'est pourquoi vous avez sur le côté deux écrans qui sont situés, parce que c'est là que ça va démarrer. Attention technique, générique. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission spéciale consacrée aux vœux du maire de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Marcel Alvarez répondra dans quelques instants sans langue de bois aux questions posées en partie par la population. Une émission, vous le verrez, qui se déclinera autour de cinq thématiques. Mais d'abord, je vous propose d'accueillir sous vos applaudissements le maire de Port-Saint-Louis-du-Rhône, Marcel Alvarez. Bravo. On est prêt ? Allez. On m'a dit de boire. Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir Sandrine. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Je le disais, cette émission va se dérouler en plusieurs temps. Nous aborderons avec vous les projets et actions que vous avez engagés sur la ville, le devenir de celle-ci, notamment au travers de la métropole, votre engagement auprès des ports saint-louisiens que nous sommes allés questionner. Enfin, l'amour que vous portez à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Mais celui-ci sera-t-il suffisant pour vous engager dans un second mandat? Nous le saurons peut-être à la fin de cette émission. Mais avant d'aborder toutes ces questions qui sont nombreuses, monsieur le maire, pourquoi avoir proposé cette année ce concept inédit de questions-réponses à l'occasion de vos vœux? D'abord, on prend toujours beaucoup de plaisir, nous, à Port-Saint-Louis-du-Rhône, à accueillir la population, à accueillir ceux qui viennent pour témoigner de leur amitié ici à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Et nous avons amélioré nos outils de communication, le site internet de la ville, même une page Facebook. Je me suis moi-même investi en mettant une page Facebook en mon nom. Et pour encore plus accompagner la volonté d'agir dans la proximité, nous avons soumis à nos administrés un formulaire questions-réponses pour que je puisse répondre directement à leurs questions, à leurs attentes. Et puis je trouvais donc que cette cérémonie de vœux était un endroit merveilleux pour y répondre. Et des questions que nous aurons l'occasion d'entendre, puisque nous sommes allés voir justement des Port-Saint-Louisiens qui ont souhaité vous poser ces questions face caméra. Alors cette proximité que vous aimez entretenir passe aussi avec celles et ceux qui vous accompagnent au quotidien dans votre action politique et que vous avez voulu ce soir ici présent. Une action municipale, ce n'est pas seulement l'engagement de maire, ce n'est même pas l'engagement d'une équipe, c'est l'engagement de l'ensemble d'un conseil municipal où toutes les expressions peuvent se proposer, peuvent permettre de construire un projet. Mais mon équipe, c'est bien entendu mon socle, c'est bien entendu ce qui fait la force de l'engagement qui est le nôtre.
Et si je les ai avec moi, pour vous parler, je me sens encore plus fort. Alors venons-en maintenant au sujet qui nous intéresse ce soir expressément, ce sont les préoccupations des ports saint-louisiens. Vous avez engagé la ville depuis maintenant près de 5 ans dans des projets jusqu'ici jamais réalisés, à commencer par les projets dits structurants. On recense parmi les chantiers engagés le projet phare de votre mandat, qui est celui de la piscine, un équipement qui était au cœur de votre campagne en 2014. Mais pourquoi en avoir fait une priorité? N'y avait-il pas finalement sur Port Saint-Louis-du-Rhône d'autres chantiers à lancer? Il y avait plein de chantiers à lancer, mais nous n'avons pas fait que s'occuper de ce projet-là. Mais c'était quand même celui qui avait fait le corps de notre engagement de campagne. Ce n'est pas Sonia Grache qui s'occupe des équipements sportifs, ce n'est pas Ali Abdeslam qui, dans le cadre de sa délégation au sport, vous dira le contraire. La piscine était une ambition réelle, d'autant plus que cette piscine, les Ports Saint-Louisiens, c'est moins qu'ils en entendent parler. Ports Saint-Louis-du-Rhône, ville entre fleuve et mer, la nécessité de savoir nager est un droit, est un devoir même pour les élus. J'avais 10 ans, vous savez, quand je prenais le chemin de l'école, et je le raconte souvent, et que je rencontrais un panneau de signalisation où il y avait le plan de la ville, avec un point, il y avait marqué « Ici, piscine ». 10 ans. Bon, j'ai un peu plus que 10 ans maintenant. Vous voyez, 30 ans qu'on attendait cet équipement. Donc, nous avions vraiment la volonté de le réaliser, et en plus, à l'endroit qui finalement a toujours vu converger les regards, et c'est bien là que se construira la piscine. Et elle se dessinera, parce que nous n'avons pas simplement construit, ou en tout cas engagé la construction d'une seule piscine. C'est tout un ensemble, toute une cohérence de projets dans un endroit situé parfaitement là où se passe un petit peu l'enseignement du sport, l'enseignement de manière générale, puisque nous avons eu la chance d'inaugurer un magnifique collège qui se trouve dans un espace qui deviendra demain une véritable plaine sportive, où les administrés pourront mener et déposer leurs enfants, que ce soit pour qu'ils aillent à l'école, de la même manière pour qu'ils aillent pratiquer leur activité sportive et associative. Je dois rappeler que nous avons livré récemment un terrain synthétique, dernière génération, merci la métropole au passage, et que nous construisons aussi des nouvelles salles sportives qui préfigurent la reconstruction du gymnase Virgile Barrel. Un endroit qu'on pourra traverser de manière longitudinale, est-ouest, nord-sud, et où nous pourrons trouver en famille des moments fabuleux. Mais comme je le disais, en dehors des équipements sportifs, nous avons engagé de nombreux chantiers structurants au travers de la voirie et nous aurons sûrement l'occasion de parler de l'ensemble des choses que nous avons portées à notre crédit. Exactement. Alors j'en reviens tout de même sur ce projet phare de votre mandat à la construction de la piscine. De nombreux habitants ici présents, d'ailleurs, s'interrogent tout de même sur la fonction même de celle-ci, puisqu'elle est présentée comme étant une piscine éducative. Est-ce que cela veut dire qu'elle ne sera réservée uniquement qu'aux élèves de cette commune, qu'aux enfants de Port-Saint-Louis-du-Rhône? On avait surtout, et je l'ai précisé, le souhait qu'elle soit destinée à l'apprentissage du savoir nager, donc à l'éducation. Elle a été imaginée pour cela. Pour autant, ça restera un bassin avec de l'eau, avec un bassin pour des plus petits, avec des vestiaires, avec un endroit où tous les ports saint-louisiens pourront se rendre, soit pour une activité associative, que les initiatives de water polo, de bébé nageur, d'aquagym, je ne sais quelles autres activités pourront avoir lieu, mais elles pourront s'y tenir, tout comme la possibilité pour nos administrés de pouvoir s'y rendre avec leurs enfants, leurs petits-enfants, ou même tout seul, pour faire quelques longueurs et quelques brasses. Alors, parmi les autres chantiers lancés sous votre mandat, il y a aussi celui de la rénovation de l'habitat social. Vous avez constaté à votre arrivée en 2014 que celui-ci nécessitait une réhabilitation dans de nombreux quartiers de la ville. La résidence Allende est la première à bénéficier de cette rénovation. En quoi l'habitat social est finalement une priorité alors qu'on ne compte que 40% de propriétaires dans votre commune et que vous vous étiez pourtant engagé en 2014 à développer des projets d'accession à la propriété? Jean-Paul, t'entends ça? Non, nous, on est au rendez-vous de nos engagements. Nous avons dit, lorsque nous sommes entrés en campagne, que l'offre de logements avait été déséquilibrée. C'est-à-dire qu'on avait poursuivi la construction et la livraison d'ensembles d'habitat social à atteindre un niveau, qu'on pourrait souligner d'exemplaire, quasiment 50% des logements à Port Saint-Louis-du-Rhône sont de l'habitat social, et que ça suffisait. Il fallait que nous puissions offrir une autre forme d'acquisition d'habitat. Donc nous avons stoppé la construction de logements sociaux pour s'engager sur de la rénovation, et j'y reviendrai plus tard. Mais parallèlement à ça, nous avons livré des parcelles à bâtir pour que les ports saint-louisiens et les ports saint-louisiennes puissent acheter leur lot de terre et construire leur maison. Nous avons livré très récemment sur le port et sur les balcons du port un ensemble avec une vingtaine de logements en acquisition à la propriété et avec même une formule pour accompagner socialement l'acquisition à la propriété.
Donc vous avez vu que nous avons essayé de diversifier l'offre de logement pour qu'il y ait un véritable parcours, pour que tous les Port-Saint-Louisiens et les Port-Saint-Louisiennes puissent trouver ce qu'ils souhaitent, et que parallèlement à ça, il nous était insupportable, insupportable de laisser les gens qui habitaient dans l'habitat social existant dans des conditions un peu compliquées. Mon premier message envers les bailleurs sociaux a été celui de leur dire et de leur montrer l'importance d'entretenir leur bâti. D'une part, parce que de manière cohérente, on investit sur un bien qui doit durer dans le temps, donc il faut l'entretenir. Mais puis deuxièmement, parce qu'on ne peut pas laisser les gens habiter dans des conditions qui sont fortement désagréables. En tout cas, le message était clair, nous ne délivrerions pas de droit à construire pour de nouveaux logements si les bailleurs ne s'engageaient pas dans la rénovation de leur bâti. Il faut croire que nous avons été entendus. Regardez comme Erilia a répondu présent en menant une réhabilitation de plus de 10 millions d'euros. 10 millions d'euros sur une résidence qui, nous l'espérons, va redevenir une résidence phare d'habitat social. Et comme engagement, c'est celui que nous avons pris avec les élus de Port-Saint-Louis-du-Rhône, le bailleur qui s'engage à rénover son bâti, nous nous accompagnons en rénovant la voirie. C'est ce qui se passe avec les Aliénés. Nous sommes en train de rénover, de réimaginer cet espace. Mais il n'y a pas que le bailleur social Erilia qui nous a attendus. Habitat 13 s'engage et fait des efforts, mais Logirem, et c'est une bonne nouvelle que j'annonce aux Port-Saint-Louisiens, s'engage elle aussi dans la rénovation de son bâti. La Logirem, c'est pratiquement 1000 logements. 1000 logements qui sont répartis sur trois résidences. La résidence Marcel Baudin, la résidence Ambroise Croizat et la résidence Jules Jolivet. Ben, figurez-vous qu'ils vont engager eux aussi plus de 10 millions d'euros de travaux pour pouvoir rénover leur bâti. Donc forcément, M. Rougon, il va falloir aussi qu'on réfléchisse comment nous accompagnerons cela. Alors les bâtiments publics ne sont pas en reste sous votre mandat puisque là aussi vous avez entrepris de construire, de bâtir un centre technique municipal et prochainement une maison de service au public. Pourquoi investir dans de nouveaux bâtiments alors qu'il suffisait peut-être juste de rénover ? Oui, c'est pas aussi facile que ça. Alors, deux choses qui sont importantes. Oui, au service public. Encore plus à Port-Saint-Louis-du-Rhône, une ville qui a besoin un petit peu de par son éloignement géographique de la présence de services publics de proximité. La MSAP. J'ai profité évidemment de la visite du ministre de l'Aménagement du Territoire à l'époque pour obtenir la labellisation d'un espace qui s'appelait l'espace du citoyen en véritable maison des services au public. Pourquoi ? Pour tout simplement maintenir ce qui fait le quotidien des administrés. La sécurité sociale, la CAF, tous les services d'accompagnement à la citoyenneté, à la justice, tout ce qui peut s'imaginer pour pouvoir les accompagner dans leur quotidien. Une maison des services au public labellisée, ça permet plus facilement de maintenir tout ça. Mais bon, on n'a pas récupéré que la labellisation, on a récupéré aussi un petit chèque pour construire un nouveau bâtiment. Avec celui-ci, nous avons fait une acquisition où nous voulions faire de la rénovation, mais où on s'aperçoit des fois que la rénovation ou reconstruction, ben, des fois entre les deux... on a plutôt avantage à reconstruire. Alors même si nous avons voulu rénover sur l'espace du Bar Vauban, il s'avère que l'ensemble n'est pas assez solide, donc nous reconstruisons un bâtiment qui deviendra la maison des services au public demain. Quant au centre technique municipal, c'est une réelle volonté d'offrir aux agents de la ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône qui font un travail remarquable, des conditions de s'exécuter dans des endroits qui sont le plus appropriés. Les ateliers au bord du Rhône étaient dans un état de délabrement assez conséquent. Et comme nous voulions une réactivité des services opérationnels, plutôt que de les éclater sur la ville, nous avons souhaité les regrouper. Voilà pourquoi les grues sont arrivées et que nous allons livrer un centre technique municipal qui nous permettra de livrer un service public de qualité. Alors tout cela a un coût, évidemment. Pour ces quelques projets cités, ce sont près de 20 millions d'euros qui sont engagés. Comment financez-vous tous ces projets et surtout, c'est moi ce qui m'intéresse, comme les Port-Saint-Louisiens ici présents, quelle va être l'incidence de tous ces projets sur mon porte-monnaie ? Regardez-moi tous ces regards, cette ambition, cette énergie qui se dégage à vouloir renverser le monde, à faire tant et tant de choses. On rajoute 10 000 à l'association, on fait une piscine, on fait un gymnase. Et heureusement, c'est pour ça que je le regarde comme ça, qu'on a notre adjoint aux finances. Alors lui, c'est un vieux routier, vous savez qu'on ne lui fait pas. C'est le genre de garçon qui nous refait pointer du doigt les engagements qui étaient les nôtres. Parce que si nous avions un programme ambitieux, nous nous sommes engagés face à la population avec des convictions. La première des convictions, c'est que le taux d'imposition des Port-Saint-Louisiens sur l'ensemble des taux, d'ailleurs, était arrivé à une limite qu'on ne peut plus accepter. Donc nous nous étions engagés à baisser. Et deuxièmement, nous avons engagé notre début de mandat avec un taux d'endettement qui était quand même assez conséquent. Donc nous n'avions plus les moyens de nous dire que nous allons continuer à emprunter. Il fallait maintenir le taux d'endettement de la ville. Mais
il s'avère que, comme beaucoup de choses, nous avons tenu nos engagements. Aujourd'hui, je dois rappeler, mais les administrés le savent, que dès notre budget 2015, nous avons agi sur les trois taux. Le foncier bâti, le foncier non bâti et la taxe d'habitation. Et nous avons procédé à une première baisse. L'année dernière, nous avons voté avec le conseil municipal à nouveau une baisse du foncier bâti. Et à côté de ça, comme vous l'avez très justement dit, il fallait pourtant que nous ayons des finances pour réaliser tous les équipements, les nombreuses réalisations qui se sont faites à Port-Saint-Luc-du-Rhône. Quel est le secret? Pas de miracle. J'ai déjà commencé à faire un petit peu le tour des communes pour accompagner mes collègues maires et écouter leurs vœux. Et hier, le maire de la Barbin l'a dit précisément, nous sommes allés solliciter les collectivités et nous avons eu des oreilles plutôt attentives. Port-Saint-Luc-du-Rhône a pris sa place sur le territoire et je dois remercier Mme Martine Vassal, présidente du département aujourd'hui de la métropole, d'avoir à chaque fois pris attention et attache à écouter le message qui était le nôtre et nous accompagner dans l'ensemble de nos réalisations. La plupart de ces réalisations, elles ont fait l'objet d'un contrat départemental qui accompagne la commune. Et là, le département va venir financer à 50%. Pour l'instant, le chemin ne s'est pas arrêté là, puisque le département est venu aussi accompagner la commune sur des travaux du quotidien, sur des travaux d'équipement. Nous avons mobilisé la métropole, nous avons mobilisé la région, nous avons mobilisé l'État. Finalement, nous avons mobilisé toute notre énergie pour aller chercher les subventions là où elles pouvaient être possibles. Donc on a réalisé cette partie du travail en mobilisant les partenaires. Mais à côté de ça, il fallait aussi mener un travail en interne pour réduire les dépenses inutiles de fonctionnement. Et là, je veux remercier les services municipaux qui, sous la pression du maire que je suis, accompagné par la volonté de l'adjoint aux finances de pouvoir réduire les budgets pour que nous puissions dégager des marges de manœuvre, se sont manifestement très bien exécutés, puisque, comme je vous l'ai dit, à l'heure actuelle, nous avons baissé les taux d'imposition et nous n'avons pas augmenter l'endettement. Et pour autant, les réalisations sont au rendez-vous. Me voilà rassurée. Alors, en parallèle à ces projets structurants, vous vous êtes aussi engagé sur de nombreux chantiers qui concernent le quotidien des habitants, à commencer par l'éducation des enfants. Plus de 120 000 euros ont été investis ces deux dernières années dans les écoles afin que celles-ci accèdent au numérique. Que faut-il comprendre derrière ce mot qui veut tout et rien dire, finalement? J'ai eu peur dans votre question. Ça, que 120 000 euros dans les écoles avec l'argent massif qui est investi pour les entretenir, pour les rénover. Merci de le ramener qu'au numérique. On va arriver au numérique et je veux préciser combien l'action conduite par les élus, de manière générale, dans l'accompagnement de la jeunesse, je l'ai dit avec Ali Abdeslam, élu auprès de la jeunesse, mais surtout et aussi Cécile Dupont dans l'éducation, nous avons rajouté et tiré un petit peu encore plus notre volonté vers l'avant et j'ai donné une délégation supplémentaire à Marc Minoretti qui était jusqu'à présent uniquement délégué à la propreté, peut-être en parlerons-nous tout à l'heure, pour qu'il s'occupe aussi de s'engager dans la modernisation des écoles et accompagner ainsi dans l'amélioration des bâtiments publics pour que nos élèves soient accueillis dans les meilleures conditions. Donc je suis d'ailleurs ravi d'accueillir ce soir Madame l'inspectrice de l'éducation nationale avec qui nous parcourons souvent cette volonté commune de livrer pour les élèves de Port-Saint-Luc-du-Rhône toutes les conditions pour réussir. Et toutes les conditions pour réussir, c'est aussi et surtout se mettre en phase avec son temps. Alors, il y a très peu de temps, nous avons inauguré le plus beau collège de l'Académie Aix-Marseille-Provence, peut-être même le plus beau de France, je ne sais pas. Il est très beau. Mais il est aussi doté de toutes les dernières technologies pour favoriser la réussite éducative de nos élèves. Et nous, communes, nous avons la responsabilité de l'enseignement dans les écoles élémentaires. Donc nous avons eu la volonté d'accompagner les élèves pour qu'ils soient prêts, une fois qu'ils arrivent dans le collège, à acquérir et à maîtriser ces nouveaux outils. Voilà pourquoi le numérique a fait son entrée dans les écoles. Il l'a fait sous la forme de tableaux numériques. Il l'a fait surtout aussi sous la forme de classes mobiles. Donc nous sommes passés dans l'ère du nouveau temps, du nouveau monde. Fini la salle informatique où on se rend pour faire ces travaux informatiques. Là, c'est l'informatique qui vient dans la salle avec des tablettes, avec tous les outils du quotidien. De toute façon, je ne vais pas faire la leçon. On voit très bien qu'aujourd'hui, les enfants, ils nous dépassent quand ils utilisent leur smartphone. Un point cependant, le numérique, comme vous le dites, ça veut tout et rien dire. Pour moi, déjà, la première des choses, c'est des obligations. En 2020, les communes de France et de Navarre vont avoir l'obligation de pouvoir offrir l'accès aux services publics sous forme numérique. C'est-à-dire qu'il faudra s'inscrire, il faut que l'administré puisse, par Internet, accéder aux services administratifs. Voilà pourquoi la ville a fait l'acquisition d'un portail famille. Voilà pourquoi il a fallu s'améliorer sur l'inscription au séjour, sur l'inscription aux activités périscolaires, sur l'inscription aux cantines. Et que pour cela, nous accompagnons les familles à la MSAP. Nous livrons des cours informatiques pour les aider
à basculer dans ce nouveau monde. D'ailleurs, M. Rossi sait que sur le portail réservé au collège pour voir les devoirs, pour voir quelles sont les notes, pour regarder les mots, nous avons fait des formations exprès réservées aux familles, parce que ce n'est pas aussi évident que ça. Et encore plus pour les personnes du bel âge, puisque quand on est âgé, on a peut-être un peu plus à subir cette fracture numérique. Donc nous allons engager très prochainement cette volonté de pouvoir accompagner les personnes âgées au travers d'un accompagnement pour qu'ils puissent maîtriser l'outil informatique, et ça se passera à la Maison des services au public. Alors, la transition est toute trouvée, puisque vous parliez des seniors à l'instant. À Port-Saint-Loup-du-Rhône, effectivement, un habitant sur quatre a plus de 60 ans. En 2015, lors de vos vœux, donc ici à cette même place, vous vous êtes pourtant engagé à reconstruire la maison de retraite. C'était d'ailleurs l'une de vos promesses de campagne. Quatre ans plus tard, toujours rien. Que s'est-il passé, monsieur le maire ? C'est bien... Ce n'est pas longtemps que vous êtes à Port-Saint-Loup-du-Rhône, mais vous êtes bien dans l'air du temps. Hein. C'est jamais assez vite. Je me suis intéressé au gros dossier qui intéresse les Port-Saint-Loup-du-Rhône. On va y répondre. On va y répondre. Déjà, la première chose, on ne va pas opposer le bel âge à la jeunesse. Parce que moi, chaque fois que je vais rencontrer les personnes âgées, que ce soit dans les clubs, au cours des repas, et chaque fois que j'ai grand plaisir à partager du temps avec eux, elles me parlent tout le temps des petits-enfants pour savoir si on s'occupe bien d'eux. Donc oui, on s'en occupe. Donc voilà pourquoi nous nous engageons aussi auprès des personnes du bel âge. Je veux souligner le travail qui est conduit au sein du CCAS par Sandrine Luigi, par Françoise Brassini, mais aussi par Aline Sianfarani, qui nous accompagne sur ces questions-là pour pouvoir accompagner les personnes âgées. Mais oui, vous avez raison, la maison de retraite. Alors sur ce dossier, Sandrine, et d'ailleurs je salue Odile Sarlenia, directrice de la maison de retraite, qui est dans la salle ce soir, nous en avons fait l'exégèse. Ouais. Ah, un mot compliqué pour moi, expliquez-moi, je ne comprends pas. Marc Minoretti me regarde, exégèse, qu'est-ce qu'il dit? Il fallait que je trouve un mot assez puissant pour expliquer combien il a fallu rentrer dans ce dossier. On est tout alors, j'ai cherché et un ami m'a proposé exégèse. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'aller regarder sur Wikipédia. Ça veut dire qu'il a fallu vraiment analyser, rentrer au cœur du dossier pour que nous puissions nous apercevoir que finalement, et ce que nous avions récupéré lorsque... Et Mme Sarlenia a pris la succession de l'ancien directeur de la maison de retraite et quand moi-même j'ai pris la succession de mon prédécesseur. Sur ce dossier, au final, ce n'étaient pas les 14 lits ou les 20 lits supplémentaires qui étaient mis à disposition, puisque nous avons actuellement un établissement de 46 lits, ni l'endroit où c'est qu'il pouvait être construit qui garantissait la réalisation de cet équipement. Il a fallu tout reprendre. Il a fallu avoir et obtenir plus de lits pour avoir un équipement qui est un équilibre économique. Pas un équilibre économique qui vise à la rentabilité. Un équilibre économique qui vise à rendre un service de qualité. Parce que des personnes âgées, quand on les accueille dans un établissement, on veut que ce soit dans des manières de la meilleure des qualités, avec le service adapté, avec le nombre d'heures suffisantes pour que les assistantes, les assistantes infirmières puissent venir faire leur travail de la meilleure des manières. D'ailleurs, M. Dharréville s'est engagé dans ce combat. Le député de la circonscription porte cette volonté que nous puissions investir mieux, plus au service de nos anciens. C'est vital. Donc c'est une réalité. Il fallait un établissement avec un équilibre économique, donc un nombre de places suffisant. Donc première étape, nous avons travaillé et nous avons obtenu encore plus de promesses de lits supplémentaires pour pouvoir construire un établissement de 80 lits. Par la suite, l'endroit qui était destiné à accueillir cet établissement, c'était, une fois que le nouveau collège serait livré, le plateau de l'ancien, le plateau sportif de l'ancien collège. Il n'y a pas assez de place. Ça nous aurait obligé de construire un équipement à plusieurs étages. Vous savez, ce genre d'équipement que quand on accompagne sa maman et qu'on sait qu'on va la laisser là, souvent pour finir ses jours, on repart avec le chagrin. Je vous parle parce que j'ai l'expérience, je sais ce que ça veut dire. Nous, notre désir, notre volonté aux élus de la ville de Port-Saint-Loup-du-Rhône, c'était de trouver le meilleur endroit pour qu'à Port-Saint-Loup-du-Rhône, les gens, les personnes âgées puissent être accompagnées de la meilleure des manières possibles. Et le meilleur endroit, c'est finalement là où est la maison de retraite actuelle. Au bord du Rhône, c'est un magnifique endroit. Et donc, vous avez vu la cohérence de voir partir les ateliers des services municipaux vers ce nouveau centre technique nous a permis de destiner un nouveau foncier pour procéder à la reconstruction. Des lits, un endroit où construire la maison de retraite, il manque l'argent. Parce que là, pareil, le dossier, il a fallu le prendre de zéro. Nous nous sommes battus pour obtenir une écoute attentive de l'Agence régionale de la santé. Et là où nous attendions à peu près 1 200 000 euros pour accompagner le projet, nous en avons obtenu pratiquement 2 millions. 1 900 000 très exactement. Et là,
comme une missive qui est arrivée à Noël, même si j'avais délivré un petit peu le message un petit peu avant, j'avais trahi le secret, une fois de plus, Madame la Présidente du département, Martine Vassal, est venue témoigner, apporter son soutien et dire aux Port-Saint-Louisiens qu'elle s'est souhaité s'engager, elle et sa collectivité, pour que les personnes âgées à Port-Saint-Louis-du-Rhône puissent finir leur jour de la manière la plus digne possible et les accompagner dans ce moment de leur vie, et est venue s'engager au travers d'une subvention de 2 400 000 euros pour réaliser cet équipement. Donc aujourd'hui, et Madame Sarlinia le sait, nous allons pouvoir, dès 2019, travailler sur le permis de construire que je me languis de signer avec beaucoup de plaisir pour avoir cette belle maison de retraite à Port-Saint-Louis-du-Rhône. C'est une bonne nouvelle pour les Port-Saint-Louisiens, effectivement, on peut l'applaudir. Mais je vous coupe, pas uniquement pour les Port-Saint-Louisiens, surtout pour la fabuleuse équipe de la maison de retraite, que ce soit les agents qui travaillent à l'intérieur, les personnes de l'association qui accueillent les personnes âgées de manière remarquable, et pour les résidents, parce que c'est à eux que je leur dois. Alors intéressons-nous à présent à l'attractivité de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Avec cette image de ville du bout du monde, vous avez pourtant su créer une véritable dynamique, jusqu'ici jamais égalée, au travers d'animations, de manifestations, d'événements. Tout cela représente évidemment de lourds investissements pour la ville. Alors concrètement, qu'est-ce que cela apporte à la ville, à Port-Saint-Louis-du-Rhône et aux Port-Saint-Louisiens ? Elle me regarde avec le sourire, Muriel. Mais que ce soit Muriel, comme Najette d'ailleurs, Najette Pilaire, ces deux-là, dans leur délégation, elles ont compris. Pas compliqué, aussi, on a compris. Port-Saint-Louis-du-Rhône, c'est pas une ville où on passe. Port-Saint-Louis-du-Rhône, c'est une ville où on va. Il faut y aller. Donc il fallait construire, en tout cas réaliser les bonnes raisons pour que les gens viennent à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Et pour nous, immédiatement, on s'est dit que ça passait par l'attractivité. Mais une attractivité qui serve l'ensemble. Donc voilà pourquoi, la première fois qu'on s'assit autour de la table, et j'ai cette image, et je suis sûr que mes collègues la partagent, on s'est dit, où c'est qu'il faut que la ville se retrouve pour que ce soit bien, que ce soit beau, que ce soit le port de plaisance. Immédiatement. Voilà, il n'a pas fait débat. C'est là qu'on a concentré notre énergie pour offrir sur la période estivale un lieu, une place, où on concentre tous nos efforts pour être le mieux possible, pour avoir des temps les plus festifs possibles, pouvoir converger toutes les initiatives de la ville. Et quand on parle des initiatives notamment liées dans le cadre de la délégation à M. Abdeslam sur la jeunesse, alors quand je pense à la fête des sports, quand je pense au festival PSL à tout jeune, et quand je pense à tout ce que le comité des fêtes produit comme qualité d'animation, je vous garantis que les soirées du port, Muriel, elles le confirment, c'est une réussite, c'est un succès. C'est un succès pourquoi ? C'est un succès parce que finalement les Port-Saint-Louisiens aussi avaient envie d'un endroit où se retrouver. Parce que en même temps qu'on vient à Port-Saint-Louis, les Port-Saint-Louisiens aussi, il faut qu'ils fassent le chemin inverse. Alors avoir un endroit tous les soirs où se retrouver, où s'amuser, où passer du temps, où consommer des productions locales, parce qu'à Port-Saint-Louis-du-Rhône, nous avons une qualité culinaire, nous avons surtout des produits phénoménaux. Ce n'est pas moi qui vais décrier le travail fabuleux fait par nos pêcheurs, nos conchyliculteurs avec l'huître. Il faut bien des vitrines pour discuter ces produits-là. Mais là, dans tout ce lieu-là, nous trouvons toute la bonne énergie pour faire le savant tiercé gagnant, c'est-à-dire attractivité basée sur le fait que les Port-Saint-Louisiens sont contents, attractivité et pari réussi pour faire que les Port-Saint-Louisiens qui accueillent des gens de l'extérieur accueillent des gens qui sont heureux de venir à Port-Saint-Louis-du-Rhône, et puis troisièmement, parce que ça sert surtout l'économie locale, et servir l'économie locale, c'était la première mission que Najette Pilaire s'est donnée pour pouvoir d'abord prioriser les commerçants port-saint-louisiens sur ces espaces de restauration, et puis surtout, elle a voulu les accompagner au travers d'une mission, donc un service de la ville qui accompagne les commerçants de proximité, et je salue la présidente qui est dans la salle, où nous avons accompagné aussi les commerçants pour qu'ils se refédèrent à l'association, pour qu'ils soient plus dynamiques. Mais il n'y a pas que les soirées du port côté d'Oc à Port-Saint-Louis-du-Rhône, il y a aussi d'autres événements sur lesquels nous investissons, parce que derrière, je l'entends bouger, je l'entends trembler, parce que chaque fois, il a peur que nous coupons les financements. Mon ami Jean-Paul Guay, il est là, à ma droite. Il est beau, hein ? Jean-Paul Guay et le Festival de la Camargue et du Delta du Rhône. Il en est le président historique. Il en est le président historique et il a surtout cette délégation de l'environnement qui partage avec Madame Parodi, où nous avons là la volonté d'être aussi exemplaire et que nous avons plusieurs fois démontré notre pugnacité à mettre en avant notre territoire. Alors vous parlez justement d'attractivité, de développement économique. L'année dernière, toujours à cette même place, lors de vos vœux, vous présentiez le projet d'aménagement de la zone du Mazet, pourvoyeuse d'emplois à terme.
Jusque-là, rien ne s'est passé. Y a-t-il des freins au développement de cette zone du Mazet, monsieur le maire ? Bonne année, rien ne s'est passé. Et c'est ce qui interpelle la baguette magique et hop, c'est parti. C'est ce qui intéresse les porcs saint-louisiens, monsieur le maire. J'ai lu un livre, c'était Le Domaine des Dieux, je crois, Astérix et Obélix, là. Le Panoramix, là, il faisait une potion, là, il jetait le petit gland, et oh, il y avait directement le chêne. On est impatients, en fait. Non, alors, d'abord, je salue la présence de M. Picon, directeur du pôle Nautisme et Mer, qui est venu avec toute son équipe, d'ailleurs, qui a donné une vraie impulsion au projet de la zone du Mazet. Je voudrais dire quelques mots. D'une part, 2018 a été une très bonne année pour le projet de pôle Nautisme. Les engagements qui étaient les nôtres, exactement, mot pour mot, c'était lancer la réalisation d'un pôle Nautisme. Je crois qu'à la fin de ce mandat, nous aurons même déjà engagé les premières réalisations d'un pôle Nautisme et Mer, parce que finalement, la concrétisation et l'avènement d'une société publique locale, dans laquelle la métropole et la ville ont capitalisé pour faire avancer ce dossier. Je vous rappelle quand même, et beaucoup d'anciens ici savent que ce n'est pas facile de négocier avec le port. Alors même si Mme Planck, qui est planquée au coin du poteau, ne dira pas le contraire, nous avons travaillé de manière remarquable, en bonne intelligence, avec d'un côté un port qui a compris les enjeux aussi de se séparer du foncier qu'elle n'était pas le mieux placé pour aménager et de faire confiance, d'un autre côté, à une collectivité ou à un outil qui était à même de porter un vrai projet. Donc en bonne entente, nous avons trouvé, au bout de deux belles années de négociations, un accord. Et nous avons signé très récemment, c'était au début de l'automne, un transfert de gestion avec Mme Cabot, la directrice du port, qui permet ainsi à la ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône d'aménager comme il souhaite tout le bord à quai sur le long du canal Saint-Louis. Je dis que ce n'est pas chose simple, mais je dis surtout que c'est le véritable phénomène déclencheur du pôle Nautisme et Mer. À côté de ça, je dois dire aussi qu'avec le département des Bouches-du-Rhône, avec la ville d'Arles, avec la ville de Tarascon, avec la ville de Martigues, Port-Saint-Louis-du-Rhône va enclencher la réalisation d'un syndicat mixte qui va porter l'avènement de la croisière fluviale pour porter des investissements pour accueillir les bateaux, les plus grandes unités, et organiser la retombée économique de ce que peut produire cette activité touristique sur l'ensemble du territoire. C'est des choses qui ont été engagées en 2018. C'est du concret. 2019 verra, puisque les membres du conseil d'administration de la société publique locale l'ont décidé ainsi, aussi le défrichage de la zone du Mazet, c'est-à-dire que toutes les friches, tous les hangars, là, que ça fait un peu pas joli, vont être levés pour avoir un foncier totalement sain. Et puis, et surtout, comme je m'y étais engagé avec la population, je le dis, d'ici 2020, ils verront les bulldozers arriver pour l'aménagement de l'entrée de zone du secteur du Mazet, pour faire cet espace intergénérationnel, pour montrer que le développement économique doit d'abord créer une véritable connexion, une véritable passerelle avec la ville, et la ville ainsi profiter de ce développement économique, et nous aurons cet espace dès 2020. Mais bon, vous savez, ce sont des projets d'aménagement économique. Il faut des années et des années, ce sont des projets à horizon 15, parfois 20 ans pour réussir. Je pourrais prendre exemple, puisque je voudrais conclure sur ce sujet en parlant aussi de l'activité historique de la ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône au travers du port et de Distriport. Distriport, c'est un projet qui a commencé, dont la commercialisation a commencé en 2006. Et c'est que cette année que nous venons de finir la livraison de l'ensemble de l'espace qui était dédié. Donc 2019, 2006, 2019, vous voyez, 13 ans pour commercialiser. Voilà, ça, ce sont des échelles d'aménagement économique importantes. Mais, oui, allez-y. Non, je vous en prie. Ah, mais non, je ne me permettrai pas. Justement, vous me parlez de Distriport. J'avais une question à vous poser à propos de Distriport. Effectivement, l'activité logistique semble bien se porter, au point que la zone Distriport devrait s'agrandir. D'ailleurs, les derniers résultats du grand port maritime de Marseille montrent une très bonne santé de l'activité conteneur. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela apporte à Port-Saint-Louis? Je regarde le clin d'œil de Johan Bergenot, qui est tout fier d'entendre parler du port. Et il a bien raison d'ailleurs, parce que oui, l'activité conteneur du port se porte bien. C'est une activité qui est importante pour la ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Et d'ailleurs, les Port-Saint-Louisiens le savent. De nombreux jeunes Port-Saint-Louisiens ont intégré les effectifs du GEMFOS, du GEMFORM, des nouveaux dockers. C'est important, parce que les dockers sont une corporation qui compte ici à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Le port a développé son activité et son trafic. Ça a permis de faire des embauches, et ça, c'est bien. Et quand vous parlez du Distriport, tout à fait, pratiquement 210 000 m² d'entrepôts, en tout cas de permis, ont été signés, des entrepôts qui vont se construire cette année en 2019.
Un petit remerciement au passage au service de l'État et au préfet que vous pourrez transmettre, Madame Broche, puisque M. Dartout s'est engagé à faciliter un peu les choses, parce que là encore, on pinaille, parce que c'est la France, ça. Vous savez, rien n'est simple. Les choses apparaissent évidentes, mais il y a toujours des réglementations à respecter qui sortent dans le CEDOU et où des fois, c'est un peu confus. Et quand c'est un peu confus et qu'on a l'État qui intervient pour un peu clarifier les choses, ça nous aide. Donc, ça veut dire que Distriport 1, c'est fini, c'est full, comme on dit. Complet, Marc. Full, full, complet. Et dès le prochain mandat de la gouvernance du port, la ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône et la métropole vont essayer de livrer rapidement 100 hectares supplémentaires sur Distriport 2 pour continuer à soutenir et approfondir la filière logistique qui nous permettra de créer de l'emploi. Alors vous parlez justement de la métropole. Intéressons-nous justement à la place de Port-Saint-Louis-du-Rhône dans cette métropole, une institution de 92 communes. Vous le savez, la création de métropole ex-Marseille-Provence a suscité de nombreuses inquiétudes, notamment celle de se faire avaler et de ne pas pouvoir exister. Or, vous êtes l'un des tout premiers défenseurs de cette institution. Pour quelles raisons? Qu'est-ce que finalement la métropole apporte à votre ville? J'ai porté le message du pragmatisme, en fait. Nous avons à Port-Saint-Louis-du-Rhône une histoire. Une histoire qui a vu les premières collaborations de communes qui ont produit des richesses nous échapper. On remonte aux années 70. Une collaboration entre communes s'est créée, le SCA, Puissane. Et pendant 30 années que la ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône est restée à côté, sur la touche, toute seule, on a vu Istres, on a vu Miramas, on a vu Fos se développer, et on a fait des piscines, et on a fait des bibliothèques, et on a fait des services publics. Et tout ça, tout cet argent, on l'a vu passer sans pouvoir en bénéficier. Tout ça, pourquoi? Un, des sombres raisons politiques qui m'échappent, en tout cas des intérêts divergents des intérêts des populations. Et deuxièmement, la peur du modernisme, la peur de l'avenir. C'était une erreur. Et tout le monde l'a reconnu que c'était une erreur. Et donc, il a fallu attendre 2003 pour que la ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône puisse intégrer cette institution. Vous voyez le temps perdu? Ce temps perdu, moi je ne veux pas le faire perdre ce coup-ci. La métropole, de toute façon, ou plutôt la métropolisation, de toute façon, c'est comme ça que les gouvernements successifs, qu'ils étaient de gauche, puis après de droite, et puis même maintenant, je ne sais pas trop si c'est gauche ou droite maintenant, mais et même maintenant, le poursuivent. L'avènement des métropoles est une réalité. On ne pourra pas y échapper. Donc ça sert à rien de se dire c'est pas bien, faut pas y aller. Cet épisode-là, il est fini, c'est on y est. Comment on fait maintenant pour que ça serve au mieux nos intérêts? Voilà le combat des élus de la ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Voilà le combat du maire de Port-Saint-Louis-du-Rhône sur le sujet de la métropole. Pour que Port-Saint-Louis-du-Rhône réussisse, il faut impérativement que la métropole réussisse. Mais une métropole qui respecte les communes, une métropole qui n'a pas peur de confier les compétences de proximité aux communes qui sont pour moi l'échelon le plus pertinent pour rendre un service de qualité aux administrés. Alors, la métropole a été créée, elle existe, elle devrait fusionner avec le département, la presse s'en est encore fait écho cette semaine. Comment comptez-vous exister sur cet immense territoire à l'échelle départementale quand on ne représente que 0,4% des habitants? Oui, le challenge est tout de même audacieux. Depuis les élections municipales, on me parle de ça. Et qu'est-ce qu'il va faire Alvarez? Qu'est-ce qui va arriver? Les Godin, les Menucci, les Guérini, à l'époque, je ne sais plus qui s'y disait les noms. Mais ce n'est pas des personnes qu'il faut positionner. Je crois que c'est de l'énergie, des volontés et des projets. Nous avons réussi à démontrer que Port-Saint-Louis-du-Rhône a su prendre toute sa place dans son institution. De par le talent de ses acteurs, j'en suis convaincu, de par la force de nos projets, et puis surtout de par l'énergie qu'on dégageait pour voir cette institution réussir. Donc ça, que la métropole soit élargie au département ou pas, quoi qu'il arrive, je pense que ça durera. Jean-Claude Gaudin, premier président de l'institution, a ainsi voulu me témoigner sa confiance en me demandant de participer à l'exécutif. Je constate que Martine Vassal, qui a été récemment élue nouvelle présidente de l'institution, a renouvelé cette confiance. J'en suis fier. Je suis ravi de pouvoir ainsi, en participant aux membres exécutifs de cette institution, être encore plus près pour la faire réussir. Maintenant, mon avis sur l'extension de ce périmètre métropolitain à l'espace départemental. Bon. Moi, je trouve que c'est pertinent. Alors,
C'est peut-être aussi parce que je suis un petit peu, moi, comme beaucoup de citoyens, je le crois, pour la diminution du millefeuille administratif. Là. Toutes ces strates qui font que, une région, un département, une métropole, une commune, ça en fait un peu trop. Il faut optimiser, il faut que nous ayons, que nous nous donnons les moyens d'avoir quelque chose qui soit un petit peu plus cohérent, qui nous permette aussi de réduire les coûts, tout en étant efficace. Donc moi, je crois que c'est pertinent. Après, quand il s'agit du pays d'Arles, l'avenir leur appartient. Laissons les maîtres de ce qu'ils souhaitent décider. Mais en tout cas, comme je vous le disais en préambule, moi je crois qu'il est carrément difficile d'exister à côté d'un mastodonte. Donc, quoi qu'il arrive, le maire de Port-Saint-Louis-du-Rhône demain sera investi dans la métropole, qu'elle soit élargie au périmètre qui inclurait le pays d'Arles, comme si le pays d'Arles ne nous rejoignait pas. Mais même si nous représentons 0,4% de cette institution, je suis en train de faire le compte, oui c'est ça, ben, on s'est aperçu que nous avons réussi à prendre notre place dans le territoire. Et j'en suis fier, et j'en suis fier de le porter avec beaucoup d'élus qui sont ici à nos côtés ce soir. Mais concrètement, monsieur le maire, avec des exemples, comment les Port-Saint-Louisiens profitent de cet engagement que vous avez en tant que délégué métropolitain au quotidien? Comment ils peuvent en profiter aujourd'hui? Bon, je ne veux pas faire de chauvinisme, ni pouvoir un moment faire penser que mon engagement métropolitain, je le fais que pour tirer les fruits pour ma commune. Même si... que certains se bouchent les oreilles, c'est un peu vrai, mais bon, ce serait bête de faire le contraire. C'est un peu normal de penser en premier à ses administrés, même si, comme je vous le dis, que moi je veux voir réussir cette institution, je veux qu'elle serve l'ensemble du territoire. La métropole est présente dans chacun des petits plus que nous avons réussi à livrer. Il est où, arrête de trépigner, Fred. Mon premier adjoint qui est en charge des travaux, c'est très bien que si nous ne mobilisions pas les enveloppes métropolitaines qui viennent du Conseil des territoires sur cet effet-là, nous n'aurions pas pu conduire nombre de réhabilitations. La rue Henri-Leroy, l'avenue Louvert-Aragon, le lotissement Gobat-Ébé, il y a encore tout un tas d'autres exemples qui sont des choses que nous avons pu engager très rapidement au service de nos administrés parce que justement la métropole nous accompagnait. Ensuite, sur l'engagement qui est le mien au sein de la métropole, on ne va pas être dupe, on ne va pas se mentir. Je siège pour la métropole au conseil de surveillance du Grand Port. Peut-être ça a un peu pesé dans les négociations quand il a fallu discuter de l'avenir de Port-Saint-Louis-du-Rhône et de la collaboration avec le Grand Port maritime. À côté de ça, je porte une délégation dans laquelle je m'emploie pleinement. L'emploi, l'insertion et l'économie collaborative. Mais parce que cette délégation-là, en fait, elle est fabuleuse. Parce que quand je me suis assis au milieu de ces institutions, qu'on commence à me parler de stock, de file active, j'ai dit, vous parlez de qui ? Des demandeurs d'emploi. Ça m'a choqué. Moi, je veux qu'on humanise l'action envers ceux qui en ont le plus besoin. Alors, nous avons en même temps un nombre de personnes engagées de manière remarquable sur ces questions-là, avec des collectivités qui investissent énormément de moyens, et pour autant, nous ne parcourons pas la réussite de résultats satisfaisants. Donc moi, je veux donner de la bonne énergie à ceux qui sont là, toutes ces personnes qui travaillent pour amener des résultats. On va mener ce combat, et que c'est vrai que quand... Nous lançons des initiatives au niveau métropolitain. Je suis très satisfait d'avoir réussi à faire accréditer la métropole comme organisme intermédiaire de gestion des fonds européens, parce que je vois que chaque année, la France rendait de l'argent à l'Europe, alors qu'il suffisait de le mobiliser, parce que certains disaient que c'était trop dur d'aller chercher de l'argent à l'Europe, parce qu'ils payent trop tard et qu'il y a des problèmes de trésorerie. Réglons les problèmes de trésorerie, mais prenons quand même l'argent à l'Europe. Quand nous avons réussi à mobiliser la clause sociale, maintenant de manière obligatoire sur l'ensemble des marchés publics de la métropole, c'est une satisfaction. Et que quand je rencontre des partenaires privés pour mener des partenariats sur la métropole, je pense notamment au groupe AG2R La Mondiale, je pense à la Fondation FAS, avec qui nous avons mené des chantiers importants pour accompagner ceux qui en avaient le plus besoin, je crois que les Port-Saint-Louisiens ont pu toucher du doigt très récemment, parce que le hasard a voulu que la première Job Academy métropolitaine se déroule à Port-Saint-Louis-du-Rhône. C'est juste un hasard. C'est juste un hasard. Mais les Port-Saint-Louisiens ont pu en bénéficier. Alors, vous êtes certes délégué métropolitain, mais vous êtes avant tout maire de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Ceci m'amène à vous demander quelle est votre réflexion aujourd'hui sur l'engagement en tant que maire. Je m'explique. Récemment, une enquête menée par l'Association des maires de France révélait qu'un maire sur deux n'envisageait pas de renouveler son mandat. Qu'est-ce que cela implique aujourd'hui d'être maire? Quels sont finalement les ingrédients pour réussir cette mission? Premier des ingrédients, il faut être bien entouré. C'est évident que quand on a une équipe solide, les choses sont beaucoup plus faciles, notamment parce que finalement, on a pu s'en apercevoir, le mandat de maire s'exprime aussi dans d'autres représentations, et que quand on est ailleurs, il faut avoir l'esprit tranquille dans sa commune. Et pour ça, je dois dire que j'ai une fabuleuse équipe qui m'épaule au quotidien et qui remplit formidablement bien cette mission.
un équilibre aussi. C'est pénible d'être maire, notamment pour les plus proches. Je pense à mon épouse, je pense à mes enfants, qui bien souvent font des concessions. Donc si on n'a pas ce savant mélange d'un appui dans l'action que nous conduisons avec une équipe solide et aussi que tout aille bien dans la vie personnelle pour qu'on puisse s'épanouir, c'est compliqué. Donc je pense que c'est là qu'il faut construire l'équilibre. Ça, je l'ai. Ensuite, je crois qu'il faut de la passion dans les choses que l'on entreprend. Il faut une vision, évidemment, une vision qui nous permet de lever la tête, parce que si on reste que dans le pipi-caca, comme dirait Lucienne, ça devient compliqué. Pour autant, il faut s'en occuper. Mais je crois que cette vision, c'est ce qui permet d'affronter l'avenir, ce qui permet de tirer vers le haut et de tirer vers l'avant les gens qui sont là pour qu'on avance, quoi. Parce que l'immobilisme, il n'y a rien de pire. Il y en a qui marchent, mais moi j'avance, hein. Alors on y va. Alors, monsieur le maire, Marcel Alvarez 2020, on y croit ou on n'y croit pas? Alors, parce que là, vous n'avez pas répondu à la question. Oui, je sais, mais moi aussi, je l'ai eu cette question-là. J'ai répondu au questionnaire de l'Association des maires de France. J'ai d'ailleurs été au congrès à Paris en novembre dernier pour justement exprimer cette difficulté que je ressentais, voilà, cette verticalité avec laquelle l'État se ressaisit des affaires. C'est dur pour les communes. On nous a un peu pressé le citron, on a de moins en moins de dotations pour fonctionner. À côté de ça, on nous lève des compétences. Et pourtant, moi, je reçois mes administrés au quotidien. Eux, ils ont besoin de réactions immédiates. Donc ça, c'est dur. C'est le message qu'on a voulu faire passer. Mais est-ce que c'est suffisant à me démotiver? Non. Alors quand il a fallu répondre à cette question, moi, je n'ai pas répondu négativement. Et en plus, je vais vous faire une confidence, j'ai envoyé un petit texto. C'était le 24 décembre. À chacun des élus de mon équipe municipale pour leur souhaiter un joyeux réveillon, puisque le lendemain c'était Noël, et puis surtout pour leur dire que j'avais fait un petit peu le chemin personnel pour conduire ma réflexion propre, pour savoir quelle était mon envie et comment je voyais l'avenir. Je leur ai dit cela, et je leur ai surtout dit que mon choix il était fait, il était arrêté. Je serai au rendez-vous de 2020 et que j'avais besoin maintenant qu'ils me livrent leur position. Ah, c'est une surprise, hein? Pardon? C'est une surprise. Elle se moque. Pour tout vous dire, c'était pas prévu. Alors, en préambule de cette interview, vous nous avez expliqué que vous aviez mis en place de nouveaux outils de communication afin de développer les échanges avec vos administrés et d'être au plus proche de leur écoute et être au plus proche de leurs attentes. De nombreux Port-Saint-Louisiens ont répondu au formulaire que vous avez donc lancé en septembre. Posez votre question au maire. Plusieurs thématiques sont ressorties de l'ensemble de ces questions. La sécurité, la propreté, l'environnement ou encore la vie locale en général. Concernant la sécurité dans votre ville, voyez cette question posée par Guy Grache, l'un de vos administrés. Monsieur le maire, depuis 33 ans que j'habite sur l'avenue du Port, on signale une vitesse excessive et l'élaborement des trottoirs. Que comptez-vous faire pour améliorer la situation? Alors, monsieur le maire, une avenue du Port dangereuse, que répondre à Guy Grache? Alors, d'une manière générale, Guy Grache, Guy Tout, comme Guy Tout, c'est le surnom de mon administré. Il a raison, il y a une vraie problématique. Je pense qu'elle est conjoncturelle, c'est de partout. Le respect des règles les plus élémentaires de sécurité, la manière d'être, de faire face à ces sensibilités, c'est de plus en plus compliqué. Les gens ont tendance à ne pas trop respecter les réglementations et on est confronté à parfois des vitesses excessives, des stationnements gênants ou abusifs. Là-dessus, on a répondu, en tout cas, de manière la plus efficace possible, chaque fois qu'on a porté des aménagements, parce que chaque fois que nous avons eu à restructurer des voiries, nous avons soit resserré les voiries pour les adapter pour que la vitesse ne puisse pas s'y produire, ou nous avons fait des aménagements d'Odan ou autres pour réduire la vitesse. Cependant, je croule, et mon premier adjoint aussi, sous les lettres des administrés, qui nous demande un dodan ici, un dodan là, mais si je réalise des dodans de partout, autant vous dire que ça sera encore pire que dans la cage du panda du zoo de Beauval.
Ça sera vallonné de partout, on ne pourra pas ainsi avancer. Mais au-delà de ça, nous avons mis en place la police municipale. Et nous n'avons toujours pas augmenté les impôts. Hein. Donc, c'est quelque chose qui se met en place. Et ils ont été là ce soir pour vous accueillir. 2 agents, 3 cette année, puis 4 en fin d'année. Une montée en puissance pour pouvoir accompagner la pédagogie, mais aussi accompagner, s'il était nécessaire, de manière un peu plus coercitive, parcourir l'idée d'avoir des bons comportements. Devant les écoles, Cécile Dupont le sait, nous avons d'abord voulu, par la mise en place de sens unique, par la mise en place d'aménagements particuliers, réduire de manière significative cette possibilité de vitesse. On a fait une avenue Gustave Vidal devant le collège qui est petite, qui est... C'est exprès. Qu'on vienne pas m'expliquer, c'est mal foutu. C'est fait exprès pour que vous roulez au pas, qu'il n'y ait pas de problématique qui soit liée à un accident avec les enfants. Je ne m'en remettrai pas. À côté de ça, nous allons implanter en 2019 le système de vidéoprotection. Il y aura des endroits où ça pourra être de la vidéo-verbalisation. Je pense notamment au stationnement abusif. Nous ne ferons rien sans pédagogie de toute façon, mais nous n'hésiterons pas à être coercitifs si ça s'avérait nécessaire. En même temps, il a raison, M. Grache, l'avenue du port. Quand on rentre à Port-Saint-Louis-du-Rhône, qu'on a le Vauban sur le côté gauche et qu'on a le parc du Poulain sur le côté droit, on a cette avenue qui démarre avec cette allée de pins qui ont défoncé toute la chaussée. C'est une réalité. À part d'être aveugle, on voit, enfin, nous y avons travaillé dessus. 2 kilomètres pratiquement et demi, je crois, à l'avenue du port, mon cher Frédéric. 2,5 kilomètres de voirie quand on démarre de l'entrée de la ville du quartier Vauban et qu'on vient déboucher sur le bassin central du port de Plaisance. Une voie départementale pour la route, les trottoirs sont communaux. Donc vous avez vu qu'on commence à être dans des dossiers un petit peu compliqués. Donc nous, ce que nous avons fait, c'est que nous avons lancé une étude pour pouvoir réaménager l'ensemble de cette avenue du port, pour que nous puissions vivre en harmonie, cyclistes, véhicules, piétons, et que pour lancer la réalisation de cet ensemble, il va falloir concerter la population. L'étude est là, les propositions, on doit les faire, mais il ne vous aura pas échappé, puisque votre question était précise tout à l'heure, que nous sommes en 2019, et que 2019, c'est une année préélectorale, sur laquelle la concertation, on ne peut pas la faire. Il y a une réglementation qui est particulière sur laquelle on va devoir faire le plus attention possible et que Guy Grache sache que tout est prêt, cette étude est là. Dès 2020, je ne sais pas qui sera là, en tout cas, si c'est nous, nous engagerons la consultation pour montrer que nous souhaitons réaliser cet investissement. Sur l'ensemble de l'avenue du port, ce sera 18 millions d'euros qu'il faudra mobiliser, mais nous y répondrons. Très bien, ce qui n'est pas rien comme investissement. Alors ici, j'ai une autre question entre mes mains. Posez donc via ce formulaire, posez votre question au maire. Une question posée par Isabelle Garagnon, qui vous interpelle sur la propreté de votre ville. Elle aimerait connaître vos projets en 2019 pour améliorer justement la propreté pardon, à Port-Saint-Louis-du-Rhône. La propreté, la ville est sale, on l'entend, c'est vrai. Cependant, je veux rendre hommage à l'ensemble des équipes municipales qui, au quotidien, font le nécessaire pour que ça soit propre, et que bien souvent, on a un peu les boules de la manière dont c'est sale. Et ça, je sais que tous mes collègues maires ils me diront la même chose. Nous avons investi fortement dans du nouveau matériel pour améliorer les choses. Nous avons fait ouvrir la déchetterie le samedi, le dimanche. Cependant, c'est jamais suffisant. Il y a quand même des gens qui sont très peu délicats et qui font pas comme on aimerait que ça soit fait. Mais nous avons quand même amélioré de manière significative les choses. Je ne voudrais pas qu'il y ait confusion. Parce que des fois, on confond un peu propreté avec le fait qu'il y a un peu des herbes folles qui ont poussé. Parce que la collectivité doit faire face à ça aussi. Nous ne pouvons plus utiliser les produits phytosanitaires. C'est le zéro phyto qui est imposé par l'Europe, mais nous souhaitons aussi respecter notre environnement. Donc aussi, il a fallu s'adapter, avoir de nouveaux outils, de nouvelles méthodes. Et tout ce nouveau matériel, toute cette nouvelle manière de faire, ben, il a fallu peut-être un petit peu du temps pour mettre en place les choses. La fin de cycle, là, sur l'année dernière, a été plutôt très positive. Marc Minoretti est employé de manière énergique au quotidien dans le cadre de son mandat pour que nous puissions être au rendez-vous de la satisfaction attendue par nos administrés. Mais Marc, combien de fois nous nous sommes dit, lui et moi, dans l'intimité de mon bureau, que si chaque jour, un Port-Saint-Louisien, on est pratiquement à 9 000, se donnait comme mission de ramasser un déchet et de le mettre dans la poubelle, vous verriez comme nous vivrons mieux. Un appel à la population est donc lancé.
Un autre sujet à présent très concernant et qui questionne de nombreux ports saint-louisiens, il s'agit de la pollution et c'est Raymond Lieuzon qui vous pose cette question. Monsieur le maire, nous sommes confrontés depuis quelques années à une pollution importante dans le delta du Rhône. On aimerait savoir qu'est-ce que vous comptez faire, parce que depuis quelque temps, on ne vous entend jamais. Alors monsieur le maire, la tribune justement vous est offerte. Qu'est-ce que vous avez à nous dire ce soir sur la pollution ? C'est bien que Raymond me pose cette question, parce que Raymond Lieuzon, c'est un petit peu le vieux chêne ici à Port-Saint-Louis-du-Rhône. C'est une véritable institution, je dirais même. Lui, plus que tout autre, c'est la richesse de notre précieuse nature ici à Port-Saint-Louis-du-Rhône. C'est un sujet délicat, mais bon, c'est un sujet. La pollution, en tout cas le sentiment de pollution. En même temps que Port-Saint-Louis-du-Rhône est dans un espace remarquable, au cœur du parc naturel régional de Camargue, au port de la Camargue, la réalité, c'est que nous sommes aussi aux portes de la plus grande plateforme industrielle d'Europe, avec l'étang de Berre. C'est une réalité. L'activité industrielle est là. Elle est là depuis plus de 30 ans. Donc, bien entendu, qu'il y a eu sûrement au démarrage des choses qui se sont faites qui n'étaient peut-être pas bien maîtrisées. Que les choses ont évolué, nous le voyons, en tout cas nous le constatons, et que ça s'est amélioré, et l'État est vigilant là-dessus. Cependant, nous pouvons nous réserver aussi le devoir d'être vigilants. Mais ce qui est délicat sur ce sujet, c'est la manière dont on en parle. Parce que si la communication n'est pas maîtrisée, ça devient grave. Dois-je rappeler ici le drame qui a été évité de justesse lorsque une association a rendu une étude qui avait pour but de sensibiliser les populations et que ça s'est transformé en une catastrophe en nous expliquant que presque des produits locaux étaient impropres à la consommation, ce qui était totalement faux. Et je veux qu'ici, les conchyliculteurs, les éleveurs, les paysans trouvent ici tout mon soutien. D'ailleurs, les personnes mêmes qui ont produit cette étude ont dû pédaler, rétro-pédaler, pour expliquer que non, pas du tout, les produits étaient de qualité. Oui, les produits sont de qualité et que c'était totalement injustifié, parce que la communication n'était pas maîtrisée. La pollution, la véritable problématique, c'est qu'il n'y a pas assez de connaissances et que ce manque de connaissances crée des suspicions. Et c'est bien là le plus dangereux. J'étais ce matin au conseil de surveillance du Grand Port Maritime de Marseille et nous nous projetions dans le projet stratégique que la nouvelle gouvernance devra mettre en place. Et dans le cadre de mon intervention et sous le mandat de Martine Vassal, puisque nous avons et nous portons ensemble, département et métropole, un agenda environnemental qui est fort, qui est puissant, j'ai précisé au Grand Port Maritime de Marseille que nous devions non seulement poursuivre une ambition forte pour le développement économique, mais que cela ne pouvait pas se faire sans une exigence environnementale tout autant forte. C'est une partie des actions que nous conduisons au quotidien avec de nombreux élus pour que nous puissions mettre l'environnement au cœur de nos priorités. À côté de ça, n'oublions pas, et Raymond ne peut pas oublier, que l'équipe municipale qui est ici à mes côtés, nous avons, dès 2014, laissé libre cours et accompagné une association pour mener une étude environnementale. Cette association, c'était Fosse Axéale, elle était conduite par Yolaine Ferrier. C'était la volonté de pouvoir mener sur le ressenti des populations des questions précises d'ordre de santé publique pour alerter l'État. Ça a marché. On a réussi à remettre un petit peu au cœur des préoccupations ce sujet. L'État a continué à mener des mesures fortes sur certains industriels qui étaient peu précautionneux pour qu'ils respectent leur engagement avec des astreintes. Et à côté de ça, nous engageons, ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône, industriels, État et de nombreuses collectivités, financièrement et techniquement, un projet qui s'appelle Réponse pour essayer d'analyser au mieux quelles doivent être les mesures de prévention sur les risques liés à la pollution. Mais au final, je ne laisserai personne un seul instant douter de l'engagement qui pourrait être le mien. Et Raymond le sait très bien sur ces sujets-là. À Port-Saint-Louis-du-Rhône, nous n'avons pas la volonté que se disent qu'il n'y a que à Fos-sur-Mer et qu'à Port-Saint-Louis-du-Rhône, que c'est le bout du monde, que c'est le déclin, que là c'est pollué et ailleurs non. C'est totalement faux. C'est pas vrai. C'est juste parce qu'il y a eu une étude là pour alerter que les choses ont été mises à mal comme ça. Mais c'est une problématique qui concerne tout un territoire. Et pour autant, faudrait-il qu'il soit justifié. Ce que nous devons être en mesure de connaître, c'est l'effet nocif du
cumul, du panachage des pollutions pour avoir et apporter une réponse. Parce que moi, je crois, et vous savez, j'ai perdu successivement, en 2017 et en 2018, des frères qui sont décédés de cancer et que, bien entendu, ça m'interpelle. Allez, plus légèrement, une question qui anime aussi de nombreuses conversations à Port-Saint-Louis-du-Rhône, et c'est Cathy Kem qui vous pose cette question. Monsieur le maire, pour l'année 2019, le vœu de l'association des chats Port-Saint-Louisiens, ce serait d'avoir un local. Dans l'ancien collège, il y a beaucoup d'espace. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous mettre à disposition un local? Nous vous en serions bien reconnaissants. Merci. Alors, monsieur le maire, l'ancien collège suscite de nombreuses convoitises. Les associations pourraient-elles investir cet ancien établissement scolaire? Alors, c'est vrai que la question qui m'est posée par Cathy, avec sa gouaille habituelle, et d'ailleurs, je veux quand même expliquer qu'elle parcourt avec les membres de son association une mission qui est cruellement compliquée. Eux, ils sont là pour maîtriser la population de chats. Et souvent, ce n'est pas bien interprété. Mais on a besoin de ces gens pour que nous puissions maîtriser les nuisances qui sont liées au fait que les chats puissent ainsi, dans la nature, se propager. Donc, je salue l'action de l'Association des chats et de sa présence, bien entendu. Après, je comprends sa demande légitime de pouvoir disposer d'un local pour parcourir au fonctionnement de son association. Plus de 120 associations à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Nous avons travaillé, et à l'ILEC, pour essayer de satisfaire l'ensemble des demandes pour accompagner les associations. Et nous continuerons à le faire. Cependant, le collège, aujourd'hui, qui a été libéré et qui est revenu dans l'escarcelle de la commune, nous avons essayé d'étudier ce que nous pouvions en faire. À un moment donné, nous avons même pensé mettre des services municipaux dedans, voire en faire un grand centre administratif. Mais seulement, quand on est arrivé au bout de l'étude, on aurait mis tous les services administratifs de la ville, puis tous les services techniques qui nous seraient restés encore le deuxième étage. C'est trop grand. Donc, on ne peut pas décemment penser que nous installerons des associations dans ce bâtiment. Nous avons un projet sur celui-ci. Nous allons travailler avec le lycée Henri Leroy, qui veut se développer et qui veut sortir sur d'autres locaux qui sont les leurs actuellement. Donc, nous travaillons, et 2019 devront être l'année où nous concrétiserons le déploiement du lycée privé Henri Leroy sur les bâtiments de l'ancien collège. Et comme ça, nous pourrons les aider à faire émerger de nouvelles filières d'enseignement qui serviront les populations et les jeunes port-saint-louisiens dans les métiers d'avenir qui se reconstruiront ici à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Et de dire à Cathy que sur ce dossier, le mandat n'est pas encore fini, que je m'efforce de vous apporter une réponse avant que nous nous engagions pour la suite. Alors nous arrivons presque au terme de cette émission, monsieur le maire, mais avant cela, des explications s'imposent sur la baseline choisie pour 2019. Hashtag PSL J'aime ma ville. Vous nous avez habitués chaque année à modifier ce slogan et le thème cette année est celui de l'amour. Pour quelle raison? Mais tout simplement parce que 2019, ça sera de toute façon une année difficile où il faudra emporter de nombreux défis et de nombreux challenges. On a déjà vu l'année 2018 se terminer un petit peu de manière compliquée. L'entrée de 2019 sera de toute façon aussi dans ce même élan un petit peu compliqué à aborder. Il va falloir trouver au niveau national des raisons de se retrouver ensemble pour la réussite de tous. Et ici, à Port-Saint-Louis-du-Rhône, je sais qu'il y a quelque chose qui peut fédérer les gens. Pour que les projets port-saint-louisiens avancent, pour que notre ville continue à avancer, c'est l'amour que chacun porte pour leur ville. Et parce que l'amour est fédérateur, je suis convaincu que sous la bannière de l'amour pour Port-Saint-Louis-du-Rhône, nous nous retrouverons tous pour la faire réussir. En tout cas, ce soir, vous nous avez livré une véritable déclaration d'amour à votre ville, Port-Saint-Louis-du-Rhône, à vos habitants, à l'occasion des vœux du conseil municipal de l'année 2019. Aussi, je vous laisse conclure cette émission. Que voulez-vous souhaiter aux Port-Saint-Louisiens pour cette nouvelle année 2019, monsieur le maire? Ok, bon, puisqu'on arrive au moment où cette émission se termine et où j'ai pris un grand plaisir à me prêter à ce jeu du plateau, je vais inviter les élus qui m'accompagnent à se lever pour que nous puissions saluer les nombreux invités qui nous ont fait l'honneur d'être là ce soir. Surtout dire, et je vais l'embrasser, remercier Sandri pour la qualité de son interview puisqu'elle s'est prêtée à ce serment d'exercice. Et que je veux aussi dire combien
Les choses ne seraient pas possibles si nous n'avions pas des services remarquablement investis qui se sont employés toute la semaine pour faire que nous vous accueillions dans les meilleures conditions. Je sais que les filles de la logistique vont vous réserver le meilleur des accueils pour le buffet. Vraiment remercier toutes les équipes techniques. Tous ceux qui ont fait équipe technique et aussi le son, la technique là-bas, merci pour tous ceux qui ont réalisé tout le travail nécessaire pour rendre ces vœux possibles. Et puisqu'on est tous là réunis, je voulais vous dire, Musique Maestro, que Port Saint-Louis-du-Rhône présente ses meilleurs vœux. Et que parce que quand on s'aime vraiment, ce n'est pas nécessairement que pour se regarder l'un et l'autre, et que nous voulons construire des choses ensemble. Donc s'aimer, c'est aussi regarder dans la même direction. Je compte sur l'énergie de tous pour faire réussir la ville. Bonne année! Merci. The moment I was wishing it was overnight. So